Bonsoir. Allez, ce soir, je vais vous présenter une petite potée vigneronne à la jurassienne. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Alors voilà, pour faire cette potée vue, cette. Alors voilà, pour faire cette potée vigneronne jurassienne, voilà ce qu'il va vous falloir. Alors, comme vous pouvez voir, de la pomme de terre, du chou, de la carotte, de la montbéliarde, une belle de morteau, de la poitrine fumée, du thym, une branche de romarin, des graines de genévrier et un verre de vin blanc et bien sûr une cocotte pour faire cuire le tout. Allez, c'est parti, on y va. À feu doux. Voilà, on vient y mettre la marmite. Elle pèse son poids, c'est normal. Et une marmite en fonte, on ne laisse pas chauffer trop longtemps. On met tout de suite un liquide ou un corps gras. Allez, c'est parti. Là, en l'occurrence, je vais commencer avec le vin blanc. Je mets le verre de vin blanc. Et après, je vais mettre mes épices. Et on voit le reste au fur et à mesure. Je vais commencer par une partie de thym. Je mets en deux parties, une partie par dessous, une partie par dessus. Voilà, le thym. Comme petite branche, voilà. On va mettre la moitié de la branche de romarin. Voilà. Et maintenant, je vais venir commencer à mettre mes légumes. Je vais commencer par le plus gros, le chou, les pommes de terre, et ainsi de suite, carottes, etc. Allez, on y va prendre l'autre morceau de chou, l'oignon, pommes de terre. On va remettre un peu de carottes. Voilà. Essayer de trouver de la place, voilà. Et on va venir mettre maintenant le reste du thym, la saucisse et la poitrine fumée. Et on rajoute de l'eau, on recouvre, ben je vais vous montrer, on recouvre légèrement et après c'est parti pour 1h30, et après c'est parti pour 1h30 de cuisson. Bon, la potée, c'est une potée gourmande. Attendez, je remets le lard correctement, voilà. Très belle poitrine fumée. Alors là, on a mis tous les légumes. On va venir mettre le couvercle. Alors, on ne rajoute pas de sel ni de poivre. On va venir ajouter quelques grains des baies de genévrier, car avec toute la viande fumée, ça sera largement assez salé. Alors voilà, on va mettre quelques baies de genévrier. On va mettre 5, 5, 6, vu le volume. Voilà, un, encore deux. Alors on les écrase avec les doigts un petit peu. Ça parfume encore plus. Là, voilà, quand on peut, voilà. Bon, là-dessus, on va finir par une feuille de laurier. On recouvre le tout. Et c'est parti, comme je vous ai dit, pour 1h30. Alors on ne sale pas, hein, vu qu'il y a beaucoup de viande fumée, pas la peine de saler. Ni de poivre. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on vient mettre les deux feuilles de laurier. Voilà. Là-dessus, on va venir rajouter de l'eau jusqu'à mi-hauteur. Et après, c'est parti pour 1h30 de cuisson. Attention, on surveille quand même à peu près toutes les 20 minutes, hein. Allez, à feu moyen, hein. Pas plus. Je récapitule avec vous. Le vin blanc, les pommes de terre, les carottes, le chou, l'oignon, ne pas oublier de le piquer avec les clous de girofle. Après, on est venu mettre donc la montbéliard, la morteau, le lard, la poitrine fumée, hein. Les deux feuilles de laurier. On est venu rajouter de l'eau. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je vais essayer de vous montrer. En tout cas, il y a de l'eau. Je vais secouer un petit peu, faire bouger un petit peu là. Voilà. Allez, je mets le couvercle. Voilà, il est bien mis. Allez, c'est parti pour 1h30. À tout à l'heure. Allez, on va aller regarder, ça fait 20 minutes. Et vous avez vu, on est à feu moyen, moyen. Ça commence à prendre une jolie couleur. Et les odeurs aussi. On va réduire un tout petit peu encore le feu. Allez, c'est parti. Il nous reste encore 1 heure. Voilà,
Là, on arrive à terme de la cuisson. On va regarder cette potée vignoble jurassienne. Allez, on découvre. Ah, si, joli. Ben voilà. Bon, ben voilà, les amis, on est arrivé à la fin. Je vous présente le tout à l'heure. Et nous, on va passer à table. Ben voilà, on est arrivé à terme. Sur ce, je vous souhaite bon appétit. Alors, c'est cuit sans aucune graisse rajoutée. Accompagné d'une bonne petite moutarde, ça passera très bien.